Communiquer, sensibiliser et accompagner les familles, c'est le but de l'association Espoir Karukira. Donc on se donne les moyens avec des partenaires de pouvoir, sensibiliser la Guadeloupe à cette pathologie. C'est le Rémalan, le registre des malformations des Antilles, qui répertorie le nombre de naissances par an d'enfants porteurs de handicap. Le Rémalan a débuté depuis 2009 et ils sont, vecteurs de sources fiables pour confirmer le nombre de naissances d'enfants trisomiques par an. Donc on a répertorié à peu près 7 à 9 par an, en Guadeloupe seulement, et au total, parce qu'ils vivent quand même jusqu'à l'âge de 60 à 70 ans, donc à peu près 400 personnes porteuses de trisomie 21 en Guadeloupe, ce qui est énorme. Florence est retraitée et bénévole pour l'association. Elle a tenu à être présente ce matin. Je suis la mamie d'une petite fille porteuse de trisomie et que j'essaie de sensibiliser les gens aux problèmes d'intégration de tous ces enfants qui ont besoin d'aide, d'accompagnement et beaucoup d'amour de façon à pouvoir être comme les autres et de pouvoir être de plus en plus autonome. C'est la journée d'ailleurs aujourd'hui, on insiste sur l'autonomie de l'enfant pour développer chez lui tout ce qui est dans ses possibilités de devenir le plus autonome. Que ce soit dans les gestes de tous les jours, mais aussi dans la compréhension au niveau des écoles et pour pouvoir mieux les intégrer dans l'école et enfin un jour trouver un travail et être parmi tous les gens de la société. Les associations guadeloupéennes envisagent de créer une fédération afin de faire entendre une seule et même voix, celle des enfants porteurs de trisomie 21.